Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo d'un jeu qui a été très attendu cette année. Je veux bien sûr parler du grand, du puissant GTA V, voilà. Un jeu que l'on a sûrement dans le top 3 2013 avec bien sûr BioShock et Last of Us. Voilà, il fallait s'y attendre. C'est un jeu franchement qui a vraiment pété déjà les records de vente dès le jour de sa sortie, voire même un peu avant pour les chanceux, voilà. GTA V, c'est un jeu qui est édité par Take-Two Interactive et développé par les grands et les puissants Rockstar Games. Voilà, donc vous pouvez le voir dès la première mission qui se déroule 9 ans avant le GTA V que l'on va connaître. Hein. Il s'agit d'un braquage de banque en fait, avec 3 personnes, bon, enfin, dont 2 que l'on va très vite oublier. Cette première mission est plutôt faite pour nous apprendre le gameplay du jeu, voilà. Donc je vous explique comment je vais faire. Je vais diviser ma vidéo en 3 parties. Une pour vous montrer la première mission, car c'est voilà, celle-ci est super, elle est bien sympa. Vous n'aurez qu'à lire voilà, les petits indices en haut à gauche, puis les sous-titres pendant que je parle, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas trop à vous expliquer l'histoire. Dans ma seconde partie, je vais vous montrer le didacticiel pour savoir un peu conduire les bagnoles, car il faut dire que quand même les GTA, enfin depuis GTA 4, le gameplay pour conduire des bagnoles était assez difficile pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Bon, on va dire qu'une fois qu'on a fini un GTA sans se casser la gueule, c'est plutôt sympa, enfin on sait bien conduire quoi à la fin. Première nouveauté du jeu, voilà, il s'agit d'un full control, on peut diriger les 3 persos. Vous voyez, là, je vais prendre contrôle de son complice pour pouvoir tirer en fait une balle dans la tête. Voilà, au mec, voilà. Donc c'est du full control et il suffit de rester appuyé sur la touche bas des 4 flèches analogiques de la manette. Donc vous pouvez contrôler vos héros préférés, voilà. En parlant des héros, donc voilà, le jeu est composé de 3 héros principaux appelés Michael, Trevor et Franklin. Donc voilà, ce sont ces 3 personnages que vous pourrez diriger. Braquage de banque, enfin, et plein d'autres choses sont à découvrir dans ce jeu. Des graphismes nettement plus poussés quand même qu'un GTA 4 ou qu'un GTA Episode From Liberty City. C'est vraiment c'est assez sympa. La touche R1, c'est pour se mettre à couvert, voilà, autant pour moi. Nous avons toujours la visée avec la visée automatique, voilà, il suffit d'appuyer sur la touche L2 pour pouvoir lancer la visée, R2 pour tirer. Et nous avons qu'à switcher sur le joystick droit en fait pour pouvoir changer les personnages et que cela target directement l'ennemi. Comme vous pouvez le voir, c'est assez dévastateur. Les forces de l'autorité, toujours 5 étoiles en haut, vous pouvez le voir, avant de monter jusqu'à 6 étoiles. Les munitions sont écrites en dessous et la map a un petit peu changé en bas à gauche. Vous voyez, c'est une version un peu Tom Tom Go, quoi. C'est, on dirait, une légère 3D. Mais c'est assez sympathique, franchement. Les pneus qui crèvent quand on les tire dessus, c'est pas mal, c'est super bien. Donc, en parlant du jeu, sachez que quand même c'est un jeu qui a eu une agréable note, 18 sur 20. C'est un jeu qui a une durée de vie assez longue et très agréable, à peu près, on va dire, 25 heures de jeu pour finir uniquement l'histoire principale. Je ne parle pas des quêtes annexes qui sont vachement travaillées, franchement, pour des quêtes annexes, c'est super. On pense que c'est directement bâclé, les petites missions à côté. Du tout, franchement, détrompez-vous, c'est vraiment un super truc. Le jeu peut nous proposer de rejouer les missions que l'on veut pour améliorer son scoring. C'est encore une nouveauté que Rockstar nous propose et qui ne nous laissera pas indifférents, franchement, parce que refaire les missions que l'on a toujours aimées, voilà, on était obligé de recommencer son GTA pour uniquement faire une mission qui devait durer approximativement 10 minutes. On se dit, putain, c'est un petit peu chiant, quoi, c'est voilà, c'est cher payé, quoi. En parlant du jeu, parlons aussi de la carte, voilà, nous nous retrouvons dans Los Santos, l'une des 3 îles pardon, de GTA San Andreas, voilà, donc un Los Santos remasterisé bien plus grand, voilà, c'est une map open world qui est super vaste, on n'avait jamais fait ça dans les anciens GTA. Oubliez la vasticité des cartes des anciens opus, celui-ci n'a absolument rien à voir, je vous l'affirme. En parlant de. Citant les points forts, je dois aussi. Bon,
n'y a pas beaucoup de points faibles à citer de ce jeu, franchement. Tellement attendu que franchement on pouvait peut-être l'attendre au tournant, mais on l'attendait plus parce que ben, il nous le fallait, quoi, tout simplement. C'était pas un jeu que on s'est dit ouais, l'ancien est mauvais. Putain, c'est super bien fait. L'ancien est mauvais, donc on va voir ce que le nouveau nous propose. Petit gameplay de bagnole. Bon, ce n'est pas celui-là sur lequel je vais switcher. Là, c'est uniquement pour finir encore la première mission. Voilà. Si je dois citer donc un point négatif du jeu, c'est les temps de chargement qui sont, allez, légèrement un peu long. Mais bon, franchement, s'il n'y a que ça à retenir, j'ai envie de vous dire, voilà, inutile de se faire du mal pour rien. Le jeu va nous proposer franchement beaucoup plus de choses. Vous pouvez maintenant faire du tennis, des nouveaux véhicules comme le jet ski pour enfin sur l'eau. C'est super, c'est vraiment bien mis en scène. Hein. Toujours le même style de gameplay pour les sauvegardes. Vous avez des sauvegardes automatiques. Il faudra ensuite aller au dodo pour pouvoir faire une jolie sauvegarde, tout en faisant un beau rêve. À savoir que chaque personnage que vous allez contrôler dispose d'un pouvoir et d'une voiture qui lui est unique. Donc voilà, on reprend un petit peu le style du jeu comment vous dire, on va essayer que ça se pousse plutôt vers la réalité. Voilà, chaque perso a sa voiture, il va pas en voler une pour créer à nouveau la sienne. Donc voilà, on se retrouve un petit peu dans du Vice City ou dans du GTA 4 quand les ordinateurs venaient nous aider. Ils étaient en simple PNJ et ils avaient leur propre voiture à chaque fois qu'ils revenaient. Mais voilà, chaque héros a sa bagnole et un pouvoir assez spécial que je vous ferai découvrir dans la seconde partie de la vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai dit de ne pas s'attacher sur deux des trois personnages. Vous avez vu, bon, ben, en fait, vous avez bien dû le voir, ils ont été assez mortellement touchés. Voilà, ce n'est pas sur eux que va s'appuyer le jeu. On reverra ce personnage plus tard dans le jeu, bien sûr. Mon objectif est de repousser des vagues d'assaut de flics, voilà, jusqu'à qu'une nouvelle vidéo s'enclenche pour m'affilier vers la suite du jeu. Donc voilà, il suffit que j'en parle pour que ça se termine. Donc voilà, c'est, je crois, oui, la première mission se termine comme ça. Donc voilà, pour ne pas vous faire trop de spoil, je vais juste vous montrer voilà, le petit moment didacticiel du jeu où est-ce que l'on dirige un personnage principal du jeu, il s'agit de Franklin. Donc voilà, si vous ne connaissez pas trop les noms, je vous dis juste Franklin, c'est, ben, y a trois personnages, il y a un Black, ben Franklin c'est le Black, voilà. Voilà, on va nous faire notre didacticiel de petites voitures. Et je vais vous montrer son pouvoir, voilà. Et puis ma troisième partie, car je ne voulais pas citer, je vais vous montrer un peu le mode libre, voilà, vous faire un petit peu découvrir la carte de Los Santos, sans trop vous spoiler de choses. Voilà, je pense que ça fera un bon test complet pour une présentation d'un jeu tel que GTA V, voilà. Donc, ben sans plus attendre, du coup, je switch de suite sur la seconde partie en dirigeant Franklin. Je vous dis à de suite, ne quittez pas. Re tout le monde, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est le moment du gameplay pour nous apprendre un petit peu à diriger des bagnoles. Donc je dirige actuellement Franklin, l'un des trois persos principaux du jeu. Et là, on a deux superbes bagnoles. J'ai l'impression que c'est un petit peu la représentation de la R8, je crois, au fond, en blanc, qui me plaît fortement. Je vais laisser la pseudo Ferrari derrière moi. Ouais, voilà. Non, franchement, ouais, elle lui ressemble. Oh, vous avez vu les logos devant? Oui, d'ailleurs, voilà, pas de copyright. Il y aura beaucoup de marques qui vont me sembler très familières, mais bon, voilà, les logos sont représentés de façon assez. Comment vous dire? Vous le voyez par vous-même, voilà, à l'arrière de la voiture, voilà, normalement le signe Audi, c'est quatre cercles. Là, vous voyez que ce sont quatre, pardon, arcs de cercles collés l'un après les autres. Donc, voilà, ça vous permet de voir quelle marque en fait ils se sont inspirés. Oui, ça m'a l'air d'être une Audi, oui, je pense. Donc voilà, vous voyez que bon, je dirige ce personnage accompagné de son collègue. En fait, il dirige une concession de voitures et il ramène des voitures, en fait, il les vole pour ensuite les retaper puis les revendre. Voilà. C'est franchement un jeu qui vaut vraiment le coup.
Ça, donc voilà, c'est le pouvoir dont je vous ai parlé. Le pouvoir de Franklin, c'est un pseudo bullet time en fait pour ne pas se bouffer les bagnoles. Ça vous permet de rattraper le coup, d'aller vous cacher, d'enchaîner plusieurs personnes d'un coup. C'est vachement sympa. Et donc, voilà, c'est bon. Gameplay à maîtriser, s'il vous plaît. Non, non, franchement, au niveau des bagnoles, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur un GTA. Donc du coup c'est un peu chaud pour moi de le diriger. Vous voyez que de temps en temps ma voiture tangue. T'es passé devant toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Enfin bref, voilà. Donc là vous voyez, au lieu de me prendre le camion, je peux tourner tranquillement, voilà. Ça vous permet de vous rattraper, c'est bien ce que je vous dis. Les missions franchement sont assez sympas, très variées. De tête je crois. T'as failli te bouffer. Oh là là, la citerne de propane dans ma tronche. Wow! Et je vous ai dit, hein, c'est un gameplay, c'est à maîtriser. Hein. Enfin bon. Donc voilà, en tout des missions, je crois qu'il y en a. Oh, doucement, doucement, doucement. J'ai pas envie non plus de me retourner la bagnole. Voilà. Il y a en tout 75 missions, si je ne me trompe pas, pour la mission pour l'histoire principale. Hein. Donc franchement, c'est assez sympathique, hein. Et d'où le temps qu'il faut consacrer à ce jeu. 18 sur 20 pour ma part, je trouve que c'est une note qui lui convient tout à fait. Parce que franchement, ben, il a tenu ses propos, on l'attendait de pied ferme, et franchement, il a fait la joie de plus d'un déjà depuis sa sortie. Date de sortie que je n'ai pas précisée, c'est le 17 septembre 2013, voilà. Vidéo que je fais justement le jour de sa sortie pour éviter toute concurrence déloyale, comme je vous le dis assez souvent. Voilà, je ne vais pas faire de vidéo avant. J'ai failli me bouffer le camion, c'est pas grave. Donc voilà. Je ne sais même plus où est-ce qu'il m'amène. Donc voilà, enfin bref. La touche de droite pour allumer vos phares, voilà, quand vous êtes dans un endroit plutôt assombri, tout simplement. Inutile de vous dire à quoi servent des phares de voiture. Bref. Ah non, mais voilà, ça y est, c'est terminé. Oh la dégaine. Oh mon dieu, oui, en parlant de dégaine, de ma bagnole, putain. Enfin bon. Donc voilà, c'était donc là, je crois que c'est tout. C'est ce qu'ils me disent pour la mission. Faut les amener directement. Oh non, putain, c'est vrai, il y a les flics. Ah, mais ça va me permettre de vous montrer comment on somme la police dans ce jeu. Donc la police, ben, elle est là, ça y est, il suffit de demander. Putain, ils sont rapides à Los Santos. Hein. Alors, vous voyez sur la carte en bas à gauche, là, l'espèce de Tom Tom Go, là, comme j'ai l'habitude de l'appeler maintenant, là, parce que ça fait vraiment du 3D, mais c'est stylé. Hein. Oh la classe magnifique. En fait, allez, pick fail juste après. Je comptais prendre en fait ce jump là, parce que voilà, j'ai déjà fait les premières missions du jeu. Je savais qu'il fallait passer par là, mais bon, voilà, c'est la première fois que je me croûte l'entrée. Mais bon, la cascade était assez spectaculaire quand même, hein, non, vous ne trouvez pas? Enfin, tout ça pour vous dire que comment il faut esquiver les flics. Vous voyez que les étoiles clignotent en haut à droite. Si elles restent fixes, c'est que bah, les flics montent dans leur ligne de mire et ont lancé une traque. Une fois que l'on peut. Je passe, oui! Et j'ai cogné un flic en fait, sans me vouloir. Putain, je cherche vraiment la merde. Faut que je quitte l'autoroute, sinon ça va pas aller. Enfin. Donc une fois que les flics me perdent de vue, en fait il n'y a qu'un petit champ de vision devant chaque voiture de flic que l'on verra en bas à gauche de la carte. Mais je sais pas si vous avez eu le temps de le voir pendant que je le disais, parce que j'avais réussi à les semer. Je vais essayer de le refaire. Voilà. Et si on retombe dans cette espèce de petit halo de surveillance, c'est un petit peu, vous savez, un peu comme les cartes, si vous vous rappelez de Driver, le jeu. Les flics nous repéraient comme ça. Si on allait dans leur champ de vision, bah, de suite ils enclenchaient la sirène et ils allaient nous poursuivre tout simplement. Voilà, là du coup je suis en train de tout éviter. Vous pouvez voir que les flics sont derrière. Au bout du cours, non, il y a un halo derrière. Recule, 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 recule. C'est bon, j'ai pas été pris. Vous voyez, si je vais dans cet halo, bah, c'est foutu. Voilà, bogus style, all badass. Bref, voilà. Bon, les flics ils me lâchent. Ça y est, c'est parfait. Bon, mais je vais ramener la voiture à la concession. Bon, mais voilà, c'était pour vous montrer donc du coup comment on esquive les flics. Ça, c'est déjà pas mal, vous le savez maintenant. Et voilà, donc le gameplay voiture, vous voyez à quoi ça s'apparente. Vous voyez un petit peu les graphismes de la ville de Los Santos.
Je vais switcher de suite avec du coup une petite partie mode libre. Je vais faire genre 2 minutes, pas plus, parce que voilà, vous allez découvrir par vous-même. Je crois qu'on achète GTA aussi un petit peu plus pour faire le con dans la montagne, parce qu'il y en a vachement pas mal des plaines dans cette île, plutôt que pour faire les missions de suite dans le jeu, quoi, voilà. Bon, allez, très rapidement. Non, mais pas d'appel, non, non, je vais pas faire la mission, je vais faire du libre. Donc, ouais, voilà, la touche pour taper CR2. Ah oui, quand il court, il peut. Voilà, donner des grosses patates. Attends, on va tester. Tenez, bonjour madame. Voilà. Je l'ai mis KO ou pas? Bref. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour vous montrer le mode libre? Vous le voyez, ça s'apparente. Vous pouvez changer les habits de votre personnage, comme vous voyez, voilà, c'est toujours. Ah, mais je l'ai vraiment tué. D'accord. Vous pouvez changer les affaires. Ta gueule, toi, putain. Donc voilà, vous pouvez changer les affaires de Franklin comme des autres persos. Ouais, je sais ce que je vais faire. Bah, je vais faire un code. Voilà, parce que qu'est-ce que serait GTA sans les codes? Eh bien, je tape mon code et en même temps, il la bousille. Désolé, madame. Voilà, la petite motocross. Les codes d'armes ne sont pas encore apparus sur divers sites de jeux vidéo, donc il y a plus des codes de véhicules qu'autre chose. Les codes de notoriété de police sont aussi disponibles. Ah, attendez, mets-toi ton casque. Voilà, la touche de droite, pour ceux qui sont sur Sony, vous permettra de mettre le casque. Ce sont les phares pour les voitures, le casque pour les motos. Voilà, on peut cabrer, on peut faire des roues avant, non? Oh, oui, c'est bon, il la cale sa roue avant, c'est bien, bravo. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, voilà quand même, c'est niveau graphisme, c'est assez sympa. Il va continuer à m'appeler l'autre, ça va me faire chier. Enfin bref. Où est-ce que je vais? Ouais, bah, en même temps, c'est un mode libre. Hein, donc, je vais faire du carjacking, tiens. Voilà, on va vous montrer. Ta gueule! Attention, première victime de carjacking. Enlève ton casque, s'il te plaît, merci. Allez, vas-y, viens. Bouffe-toi ça. Oh, je m'attendais à un carjacking beaucoup plus violent, quand même. Bon, voilà, bien sûr, de nouvelles bagos. Ta gueule! Bref. De nouvelles voitures, de nouvelles marques. Donc, du coup, voilà, on ne se stoppe pas aux voitures que l'on connaît tous dans tous les GTA. Des voitures beaucoup plus rapides, d'autres bien plus lentes, plus spacieuses. Voilà, et il vous en faudra de la voiture spatiale au minimum 4 places, vu que vous êtes 3 la plupart du temps dans le jeu. C'est un conseil. Armez-vous de patience, parce que dans une semaine uniquement, le mode online sera ouvert. Donc d'ici là, vous pouvez bien vous expérimenter sur le mode solo, tâter un peu le gameplay. Donc voilà, si vous l'achetez pour le online, désolé de vous décevoir, ce n'est pas encore. Je commence à avoir une réactivité pour raccrocher au téléphone, c'est magnifique. Je vais voir si le tram peut m'arriver dans la gueule. Ce serait sympa. Enfin bref. D'accord, ok. Bah, je croyais voir la phare arriver. Oh, oh la classe! Magnifique. Ouf. Violent. Ouais, bon, toujours des dégâts apparents sur la bagnole, les rayures, c'est assez sympa. Tiens, on va aller dans l'eau. Ah, mais elle roule! J'ai pied? Est-ce que j'ai pied? Ah, ben oui, j'ai pied. Non, mais attendez, c'est moi ou. Oh là là, il y a même il y a les graphismes d'effets mouillés sur la personne. C'est génial. Bon, c'est super. Oh, il y a même l'eau par terre. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ma vidéo de GTA 5 vous aura plu. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous bien, et à ciao tout le monde!